Bamako. Et quand on dit qu'en Afrique, on n'a pas de talent, on n'a pas de grandes entreprises, c'est faux. On a des grandes entreprises, mais qui ne sont pas aussi formalisées et qui roulent en fait des gros chiffres d'affaires et dont on ignore même vraiment les résultats. Ici, on est Dibitéri. Je ne peux pas arriver à Bamako sans venir manger du Dibi. Et ici, c'est mon coin. Chaque fois, je suis arrivé ce matin et c'est le premier repas que je vais prendre à Bamako. C'est le Dibi. Regardez ce monsieur. Chaque jour, il rôtit pratiquement 20 moutons. Mon frère. Ouais, ça c'est mon gars. Regarde, zoom la viande. Regardez. Où est les gigots? Zoom. Lui c'est mon gars. Regardez. Là ils ont des saucisses. Il y a du foie. Il y a du foie. Ça c'est quoi? C'est du foie ça. Faut reculer pour qu'on nous voit. C'est du foie. Ça c'est du foie. Voilà les saucisses. Viens voir. Ce n'est pas les saucisses des blancs, hein. C'est nos saucisses. Made in Bamako. C'est pour nous. C'est pour l'Afrique, tu vois. Les intestins aussi. Là il y a les intestins. Et tu as vu toute cette quantité là? Voilà, là on passe au deuxième tour. Voilà encore d'autres gigots. Il y a un mouton complet là-bas. Là c'est un mouton complet qui sont en train de cuire pour une prestation pour envoyer. Ouais, imaginez que vous achetez le mouton à 70 000. 20 moutons. Ça veut dire que rien qu'en matière première, il a pratiquement 1 400 000 de chiffre d'affaires qu'il fait à un élevage par jour. En 10 jours, ça fait 14 millions. En un mois, ça fait combien? Ça fait 42 millions qu'il fait. Rien qu'ici. Et la clientèle y est toujours. Vous voyez? Et la problématique, c'est qu'on n'a pas d'élevage de moutons en Afrique capable de répondre. Regarde, zoom. Regarde, vous voyez les moutons arrivent. Voilà. Tu vois? Ici, on est à Bamako, on n'est pas à Paris. Hein. On n'est pas à Paris. Hein. On mange bien. Les gars, arrêtez de croire. On fait le film. On a de l'argent en Afrique. C'est cette direct-là que tu vas avoir. Hein. C'est direct. Ah, c'est dans ce projet du même. Voilà. Ah, tu vois, non? Regardez le nombre de cuisses. C'est la de façon traditionnelle. De façon traditionnelle. Oh là là. Il n'y a pas ketchup, il n'y a pas un truc, c'est notre piment. Non. C'est notre piment. Piment africain. Africain. Comment on va dire? Un mec comme ça. Oh là là. Regardez, voilà. Là, il est en train de faire. Allez, favoriser. Vous voyez le foie et tout. Ce continent. Regardez, ça fait pratiquement. Voilà. En termes de chiffre d'affaires mensuel, il est à plus de 60 millions. Il est à plus de 60 millions. Oh là là. Et regardez. Regardez comment ils sont vêtus. Ils n'ont pas de cravate. Un capital de chiffre de. Combien d'entreprises produisent 60 millions de chiffres d'affaires mensuels? Et ça, c'est grâce à l'élevage. Comprenons que nous avons du talent en Afrique. Hein, mon frère? L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'a jamais été pauvre. Ils nous ont mis dans ici. Un mur dans le crâne que l'Afrique est un pays pauvre, mon frère. C'est d'abord un exemple. Je te soutiens, c'est le combat qu'on fait. Tu es soniqué. Ah, moi je suis venu prendre ta soeur. Moi, le peuple, tu peux venir prendre. C'est le peuple, c'est pas mes beaux-frères. Oh là là. Nous c'est sommes des bergers. C'est pas des bergers. Et voilà le résultat. Il est venu livrer. Vous voyez? Non. Ben, c'est vous voyez le nombre d'éleveurs. C'est pas tout le monde. Il permet. Qui vivent grâce à son activité. Oui. Voilà un peu le qui est venu livrer. Vous livrez à peu près combien par jour? C'est beaucoup. Je ne peux même pas dire le nombre. Et est-ce que vous arrivez à produire régulièrement pour... Suffisamment pour tout le Mali. Donc vous voyez, ça fait un peu le modèle. Ouais, il gagne grosse voiture grâce à l'élevage de moutons. Non, les gars, comprenons que. Il est du Togo. C'est un Togolais. Mais de Malien. Non, mais toi, moi je suis béninois. Mais moi, c'est ma femme qui est malienne. Tu vois, donc toi, on est des frères. Mais c'est la famille. Ah, c'est Vous voyez quand c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais, il n'est jamais allé à l'école. Le propriétaire de ce coin, il n'est jamais à l'école. Ce n'est pas du carreau. On ne peut pas compter le nombre d'immeubles qu'il a. Non, son business n'est pas formel. Ici, il a pratiquement une vingtaine de bêtes qui tuent par jour. Ouais. Avec un chiffre d'affaires de près de 60 millions le mois. Vous avez vu des livreurs. C'est dire qu'aujourd'hui, on a du potentiel en Afrique. C'est en Afrique?
comment faire pour développer ça. On doit être en mesure de se nourrir. Je vous dis merci, moi je dois aller manger mon dibi. Ils ont déjà coupé, c'est prêt mon frère. Hein? La viande, ok, pas un gigot. Avec moutarde. Venez voir l'usine. Viens zoomer. Vous voyez, la fumée naturelle. Regarde la fumée naturelle. Ouais. Zoom, regarde la viande. C'est des dibi, hein? Hein? C'est dibi. Faut zoomer. Comment tu t'appelles mon frère? Mamadou. Comment? Mamadou. Mamadou. Devant combien de temps il est là? Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Moi, j'ai fait 10 ans que je suis là. 10 ans? Et il est à l'aise avec sa petite famille. Tu es marié? Ah ouais. Tu as une épouse. Tu n'es pas encore passé à deux. Tu as encore un. Mais c'est avec ça que tu viens. Pas passer à deux. Vous êtes combien à travailler ici? Il peut même pas. Il a 15 employés qui bossent ici. Wow. 15 employés. Regardez le coin. 15 employés. Mamadou, nous on est venu manger la viande. D'accord? Donc tu vas nous couper un bon morceau. Oui, il y a un peu de graisse là, c'est ce que nous on aime. D'accord? On est éleveur et on va manger que du local. Non, on n'aime pas shawarma, hamburger, non. C'est là. C'est du charabia. C'est du charabia tout ça. Ça colle pas. C'est bon? Ici, c'est l'usine. Là, il est à l'usine. Vous voyez, ils sont en train de travailler. C'est incroyable. Il a sauté à côté. Allez, Mamadou. Merci.